L'après-Covid se prépare sur tous les plans en Afrique et notamment économique. Alors que la pandémie court toujours, les initiatives de réflexion pour un continent plus résilient au niveau économique se multiplient. À l'instar du webinaire Finance Inclusive et Covid-19, atelier de préparation des acteurs à la résilience initié par Rekia Madjougou, ancienne ministre des Finances du Bénin et experte internationale en finance inclusive et mécanismes de développement. Créer un cadre spécial de mécanismes de résilience, il s'agirait d'envisager la généralisation bien organisée des banques alimentaires à laquelle il faut associer des directives sanitaires et d'hygiène, des mesures économiques incitatives de report d'impôts, de subventions salariales, surtout dans les entreprises de grande utilité, de même qu'un ajustement provisoire des échéances de garantie de crédit et des modalités de prêt en général. La résilience, la solidité et durabilité des économies africaines seront les axes majeurs de réflexion de cette rencontre virtuelle organisée par le Think et Do Tank Team RM en partenariat avec le groupe panafricain EcoBank, la fondation Lamotte et la Confédération des institutions financières pour l'Afrique de l'Ouest. Des réflexions et des engagements plus que nécessaires à l'heure où, à l'échelle continentale, l'économie réelle tourne en grande partie autour des secteurs de l'informel, de l'agriculture, sans oublier les petites et très petites entreprises, tous fortement affectés par la pandémie. Chaque pays devrait avoir son plan de contingence, son plan de résilience lié à ses spécificités. Deuxième palier, le continent africain doit avoir une réponse consolidée pour être en mesure de donner des réponses régionales et continentales afin de pouvoir résister en tant qu'entité. Ainsi, ces 26, 27 et 28 mai, afin d'apporter des solutions les plus complètes possibles, des personnalités issues du monde politique, économique et autres partenaires techniques et financiers seront réunies via l'application Zoom. Rencontre également ouverte au public.